rencontrer les journalistes comme s'ils étaient des amis. Dans toute la ville, un parcours nous amène dans une chapelle écouter une ancienne journaliste d'Europe 1 exposer son long travail d'enquête sur l'affaire Grégory. Quelques centaines de mètres plus bas, presque 200 personnes sont là pour écouter une reporter de Paris Match expliquer son travail sur les chasseurs de preuves, ces hommes qui se battent pour faire condamner les bourreaux d'aujourd'hui. Là, on peut développer en fait notre travail. On peut le mettre en perspective en trois dimensions. Et je pense que ça peut apporter énormément d'éléments pour le grand public qui parfois lit des journaux, c'est un peu froid. Et là, tout de suite, on revient un peu dans l'humanité. En centre-ville, une salle de la mairie accueille le dessinateur Hippolyte, tandis qu'un étage plus bas, des journalistes de France 24 expliquent leur travail de témoignage des habitants des quartiers populaires. À chaque fois, le public est au rendez-vous. C'est très intéressant, on est tous à Autun, car on a eu des festivals de rock, de tout ça, mais jamais de quelque chose de culturel comme ça. On est très contents. La curiosité, je pense que c'est vraiment ce qui nous amène ici, c'est la curiosité, l'envie de découvrir, d'apprendre des nouvelles choses. Ça permet une autre réflexion, effectivement, ouais. Un autre regard, peut-être un peu de recul, enfin oui, c'est... en tout cas c'est très enrichissant. Prolongation des revues 21 et 6 mois, ce festival se veut un moment de rencontre pour connaître les coulisses des reportages et comprendre un peu mieux le métier de journaliste, souvent, est de plus en plus décrié. Le défi, c'était de s'inscrire dans une ville comme Autun, avec laquelle on n'avait pas d'histoire particulière, mais qui nous a accueillis, et une ville de moins de 15 000 habitants, dans laquelle 50% des Français vivent dans une ville comme Autun ou plus petite, et puis de se rencontrer, de se confronter. Et pourquoi ça m'intéresse ? Le festival se poursuit jusqu'à dimanche à Autun et sur le Mont-Beuvray. Déjà, 3000 festivaliers ont acheté leurs billets pour entendre ces histoires vraies. J'avais assisté à énormément de réunions avec les appareils des partis.